À la fois peintre et réalisatrice, Sarah Morris s'intéresse aux grandes villes du monde entier et en particulier aux centres de pouvoir. À Los Angeles, Hollywood, à New York, la finance, à Washington, la politique. Dans chacune des villes, elle va réaliser un film et des peintures. On se prend à imaginer un plan de métro ou même peut-être plus volontiers une highway de Los Angeles avec ce mouvement qu'il y a dans le tableau comme celui discontinu du flux de voitures qui ne cesse de déferler sur la route. Nous sommes bien à Los Angeles, mais pas sur une highway. Il s'agit bien, selon Sarah Morris, de l'immeuble du Department of Power and Water, c'est-à-dire le département des eaux. Un centre crucial de la ville construite en réalité en plein désert, même si elle est au bord de la mer. C'est en se souvenant du film de Polanski, Chinatown, de 1974, que l'on perçoit toute l'importance de ce fameux immeuble du département des eaux de la ville de Los Angeles. Jouant avec l'image complète, Sarah Morris a voulu découper quatre sérigraphies de cet immeuble comme quatre morceaux de la ville de Los Angeles, le nord-ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est. Sarah Morris joue avec l'œuvre. Elle permet ainsi collectionneur ou à l'institution, à la fondation qui l'expose, de disposer de l'image comme elle le souhaite et de l'arranger avec son architecture, aussi bien réunie comme ici en carré ou alors selon une disposition qui est propre à chaque regardeur.